Good morning, Aleiden, Tiskul Shanim Rabot, Neimot, Vetovot, Egmar, Khatima Atus, Bezrat Hashem. Nous étudions l'étude rajoutée de l'Onishma David Ben Fortuna Mazal Fritna, Lucien Batraina et Moshe Ben Solvanish. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de deux Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Nazir, Perek Dalet, Mishnah Vav Haish, Madir et Beno Banazir, Ven Aisha, Madir et Bena Benazir, Keitsad, Gilach, Oshe Gilchou, Kovav. Micha Oshe Michu Kovav, Aitalo Bema Mofreshet, Achatat Tamut, Veola Tikav, Ola, Veashlamim, Kirbushlamim, Venechanin, Le Yom Vechad, Le Yom Echad, Venantonim Nechem, et je m'arrête là pour le moment pour expliquer. C'est en rapport, je vous rappelle, dans le contexte avec le roi, on a parlé dans la Mishnah précédente, pour comprendre la transition ici. On va parler d'un sujet différent, mais avec des règles de conduite face au Korbanot semblables à la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, on avait parlé de la femme qui a fait un vœu de Nezirut, qui a été mafricha ses korbanot, et qui finalement, elle arrive le dernier jour, une fois qu'elle est en train d'apporter ses korbanot, mais son mari apprend qu'elle était Nezira, et il dit, mais ma chérie, j'annule ton éder. Tac. Elle arrête d'être Nezira, et la question, parmi les problématiques qu'on avait, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite avec les korbanot, que maintenant ils ont été sanctifiés, donc ils s'annulent. En rapport à ça, on va apporter le même principe des corbanotes, dans un contexte complètement différent. On va parler cette fois-ci d'une halakha très 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 particulière, que Haish Madir et Beno Benazir, un homme peut rendre son fils Nazir. Ven Aisha Madiret et Bena Benazir, et une femme ne peut pas rendre son fils Nazir. Je m'explique, c'est une halakha de Moshe Mishinaï, très très originale, qu'un enfant, jusqu'à tant qu'il n'a pas atteint sa majorité religieuse, ou peut-être, on va dire, durant la 12e année, où il peut quand même faire les Nédarim, si vous vous rappelez qu'on a déjà évoqué le sujet. Mais en tout cas, à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça n'existe pas un enfant qui prononce un Néder. Il prononce un Néder, il y a même besoin de faire un Nédarim, ça n'a pas de statut de Néder, parce qu'il n'avait là pas de date. Une halakha spéciale pour les Nazirs, qu'un an avant la Bar Mitzvah, ça rentre déjà en vigueur, c'est très particulier, et on n'en parle pas pour le moment. Mais là, on parle d'une halakha spéciale, que le père a le droit de dire à son fils, écoute-moi mon fils, je veux t'éduquer à faire quelque chose de bien, je veux que tu sois Nazir, tu ne vas pas boire de vin pendant 30 jours, tu vas pas, on ne va pas te couper les cheveux, tu ne vas pas t'impurifier pour les morts, et après on ira au Beth Amikdash, et on tuera le rituel de la Nezirut, et la Mishnah me prend que ça marche. Un père peut rendre son fils Nazir, mais la mère, elle ne peut pas rendre son fils Nazir, elle n'a pas cette force. C'est-à-dire que même si son fils il va vouloir l'écouter, il va se pousser les cheveux, il ne va pas boire du vin et tout ça, ils ne pourront pas aller au Beth Amikdash à prendre le commandant parce que ce n'était pas un Nazir. Ouais, quelqu'un qui n'a pas pris sur lui la Nezirut, il n'est pas Nazir, même s'il s'est conduit comme un Nazir pendant 30 jours. D'accord? Même principe, la mère, elle n'a pas la force de le rendre Nazir. Alors que le père peut rendre Nazir, mais il y a une condition importante, c'est que le fils accepte et qu'il ne s'oppose pas, ni lui, ni ses proches. Et c'est ce qu'on va parler ensuite dans la suite de la Mishnah. C'est-à-dire qu'en fait, on parle que mon fils, je veux t'éduquer, mon petit David, je veux te rendre Nazir. Donc, tu vas être, il a 9 ans et demi, le gosse, tu vas être Nazir pendant 30 jours. Pendant 30 jours, le fils, et là, il doit se conduire comme un Nazir. Ça se finit, on va au Beth Aménage, on va te le faire. Dans la mesure où il ne s'est pas opposé, si lui ou ses proches se sont opposés, sa mère qui est intervenue, ses frères qui ont déjà la majorité, non, papa, tu vas pas le rendre Nazir, on s'y oppose et tout ça, c'est fini, il ne sera pas Nazir parce qu'il y a quelqu'un qui s'est opposé. D'accord? C'est le principe de la Mishnah du cas qui est évoqué pour le moment. Maintenant, je vous dis très rapidement de quoi ça va parler la semaine de Mishnah, ça ira beaucoup plus vite ensuite pour lire la Mishnah. Ce qui se passe, c'est que la Mishnah, elle va me dire ensuite, Keitzad, comment se présente le cas, mais ce n'est pas du tout le cas qui se présente. Ça arrive fréquemment dans le Mishnayot, il manque une phrase qui est tombée un peu qui est tombée, et donc on a du mal à comprendre la transition. En fait, la Mishnah me dit, sache qu'un père, il peut rendre son fils Nazir, maintenant, à condition que le fils accepte, et que personne ne s'y oppose. Et comment se présente Keitzad, comment se présente le cas où quelqu'un s'y oppose, et on va parler du cas, là, que je vous ai introduit, qu'en fait, moi, j'ai rendu mon fils, mon petit David, Nazir. Concrètement, le vœu, il a été annulé, mais ce qui se passe, c'est que j'ai des corbanotes que j'ai déjà prévus pour mon petit David qui va faire sa Nazirut. Que devrais-je faire de ces corbanotes une fois que sa Nazirut sera annulée? Parce que les autres ont la force, tout le monde a la force, c'est-à-dire tous ses proches ont la possibilité d'annuler la Nazirut. Qu'est-ce qu'on fera avec les corbanotes? C'est la problématique de la Mishnah. Donc en fait, la Mishnah présente d'abord deux cas. Deux qui font quatre. Keitzad. Gilach Oshigilchou Kovav.
Je lui dis, écoute-moi, mon petit David, tu vas être nazir, d'accord? Il me regarde, il ne me dit rien, il n'a pas agréé, il n'a pas validé. Il dit rien. Je lui dis, tu vois, regarde, tu vois, là, la vache, le truc, ce sera tes trois corbanotes pour quand tu seras nazir. Donc j'ai déjà désigné les animaux. Le petit, il dit rien, il se lève le matin, la boule à zéro. Il me dit, ah, papa, ton histoire de nazir, ça ne me plaisait pas, il avait une tondeuse dans le truc, il s'est rasé tous les cheveux. Donc par là, il a exprimé que ça ne l'intéresse pas, la nésionte. Ou bien, Gilchou Achirim. Il y avait la mère qui était là, elle a regardé sa montre, on n'a pas compris pourquoi. Moi, je suis parti faire Mincha et Arvit, et je reviens, je vois qu'il a la boule à zéro. La mère s'est opposée, elle a tout simplement coupé les cheveux. Comme ça, Rad Mashmaït, c'est clair, et il n'y a pas des autres. Ou tout simplement, c'est pas la peine d'en faire autant. Macha, Omichou Krovav, lui-même s'est opposé, ou ses proches se sont opposés. Ça, on a oublié de le préciser dans la Mishnah, en fait. Il faut savoir que ça marche. Dès qu'on s'oppose à la Nézirut du petit, dès que quelqu'un s'oppose à la Nézirut du petit, la Nézirut tombe à l'eau, il n'y a plus de Nézirut. La problématique de la Mishnah, non, c'est qu'est-ce qu'on fera avec les animaux? Alors la Mishnah me dit, Aïtalo Behema Moufreshet, s'il avait déjà des animaux qu'il avait déjà désignés. Alors qu'est-ce qu'on fera? Allez, on fait une petite révision. C'est très simple. Le Nazir doit porter trois korbanot, Khatat Ola Ishlamim. Maintenant, Khatat Ola Ishlamim. Il faut savoir. Une Ola, vous pouvez la porter quand vous voulez, même si vous n'avez pas fait aucune Avera, aucune Nézirut. J'ai envie de faire un Korban Ola, je vais au Tamida, je vais prendre un Korban Ola. D'accord? Ça, c'est Korban Ola. Korban Shlamim, alors aussi, vous pouvez aussi à chaque instant décider de faire un Korban Shlamim, qui aura des règles quand même un peu différentes du Shalmé Nazir, du Shlamim du Nazir. En général, un Shlamim, vous pouvez le manger pendant deux jours et la nuit entre les deux. Ouais. Comme on dit dans le matin, ils ont commencé à s'évacuer là-bas, Shlamim, Kadeshim Kalim, là-bas on a dit Enrein, Nishine, Yamim, Velaïla Echad. À la différence de la Mishnah précédente, où là-bas on dit Atoda ve Eila Nazir, Eila Nazir c'est le Shlamim du Nazir, où lui il doit porter spécialement un Eil, et puis Nechal et Yom Velaïla. Il est mangé juste pour un jour et une nuit. La différence, c'est la différence entre le Shlamim du Nazir, avec une deuxième différence aussi qui n'est pas présente dans le Mishnah, cette fois-ci là-bas dans les Zerukoman, où on parle que le nazir doit, lorsqu'il apporte son shlamim, il doit aussi apporter des pains. D'accord? On apprendra tout le rituel qu'il faut faire. Là maintenant, chaque fois qu'on se retrouve avec un nazir qui a pris sur lui une nazirut et que pour X ou Y raison, sa nazirut s'annule, comme la femme ou comme en l'occurrence le cas qu'on apprend ici avec la nazirut du fils qui s'annule, alors c'est simple, il faudra, Ola on l'apportera quand même, shlamim on l'apportera juste sans les pains. Et que ce sera un shlamim qui sera mangé un jour et une nuit. La galère, ce sera la korban khatat. Parce que le korban khatat, c'est très 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 nominatif. Une personne pour une avera. J'ai transgressé Shabbat parce que j'ai trié ou allumé du feu ou ce que vous voulez. J'ai désigné un korban khatat pour cette avera-là. Je ne peux plus le faire changer d'une avera sur l'autre. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui doit apporter un khatat, bah, prends mon khatat. C'est super nominatif le khatat. Et si le khatat, il n'a plus la cause pour laquelle il était prévu, alors il y en aura que khatat meta. Il nous faudra la laisser mourir. On ne pourra plus ni rien en faire, on n'en fera pas un corban, on l'enfermera dans une pièce, on va la laisser mourir de faim, ou on va, pire que ça, on va même lui donner à manger de l'orge qui lui fait grand gonfler le ventre jusqu'à qu'elle meure. D'accord? Ça s'appelait la khnis la kippa. Alors maintenant, vous avez compris les halakhot, alors maintenant on va rattacher les deux, on va voir comment c'est dans les mots. Comment se présente le cas, donc, Keitzad, comment se présente le cas où la Nézirut est annulée et que le père, il a déjà désigné les korbanot? Alors, Gilach, Oshé Gilchou, Krovav, lui-même s'est rasé la tête en signe de Mecha'a, de refus. Oshé Gilchou, Krovav, ou bien c'est ses proches qui l'ont rasé la tête. O Macha, il a refusé expressément, sans faire d'acte, juste oralement. Oshé Gilchou, Krovav, ou bien que ses proches parents ont refusé. Aïtalo, Béhéma Moufrachat, maintenant le père, il avait déjà désigné des animaux pour les apporter en guise de korban de Nézirut. Alors la Mishnah me dit bien, Achatat, Tamut, la korban khatat qu'il a désigné, il n'y a plus rien à faire, il faudra la faire mourir. Ve'aola, Tikrav, Ola, la Ola qu'il a fait, elle sera apportée comme une korban Ola, il n'y a aucun problème. Ve'ashlamim, et le korban Shlamim, il faudra, écrivez-vous Shlamim, on l'apportera comme un Shlamim, mais Ve'nechalin le Yom Echad, on y sera consommé en un seul jour, pas deux jours. On n'apportera pas les pains qu'il fallait apporter pour le nazir, parce qu'il n'y a plus de nazirut. La nazirut a été annulée, les korbanot, ils ont déjà été désignés, donc c'est ce qu'on fait avec ces korbanot. Au même titre que si le nazir il meurt
qui sont faits avec les corbanes du carré désigné, on fera exactement la même chose. Ok? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est si, toutefois, Ayulo Maot Stumim. Comme on avait auquel cas, c'est qu'en fait le père, il n'avait pas désigné les corbanotes, mais il avait pris une bourse d'argent. Il a dit, voilà, regarde mon fils, prends une lésure, toi. Voilà, il y a ici 2000 shekels pour tes corbanotes. Le fils, il dit rien, il passe dans la salle de bain, il revient avec la boule à zéro, ou bien il dit au père, t'as des zéroutes, elle ne m'intéresse pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors la mode stumim, selon le même principe, il plou les nava. On les donnera à la caisse du Batamigdash qui s'occupe d'apporter des corbanotes lorsque le misbeach chôme. Il y a une caisse spéciale pour que le misbeach soit toujours rempli avec des animaux en train d'être consommés. Voilà. Maintenant, Maot Meforashin, maintenant, si toutefois le père il avait pris de l'argent, il avait pas, qu'il s'est fait qu'il a pris une bourse pour les corbanotes de Nézirut, il a dit, regarde mon fils, 500 pour le Khatat, 500 pour le Shlamim, 500 pour la Ola, il a déjà désigné, alors même principe de nouveau. Dme Khatat, Yamamelach, l'argent qu'il a désigné pour le Korban Khatat, il faudra l'apporter au Yamamelach, l'Onenin, Velomalin, on ne pourra pas en tirer profit, mais malgré tout, celui qui en tire profit, il ne transgressera pas l'interdit de Meila, parce que tout ce qui est Ekdesh, qui va plus monter sur le Mizbar, mais qui est désigné détruit, il n'y a plus de Meila dessus. Dme Ola, l'argent qui a été pour la Ola, Yaviu Ola ou Moalin Ben, il faudra apporter un Korban Ola, et celui qui en tire profit, il transgressera l'interdit de Meila. Dme Shlamim, c'est l'argent du Shlamim, il faudra Yaviu Shlamim, il faudra apporter un Korban Shlamim. Vene Chanen Yom et le Yom Echad, Venan Tenechem, ce sera un Shlamim qu'il faudra apporter, comme précédemment, qui sera consommé durant une journée et sans apporter le pain, parce que l'argent qui était désigné pour le shlamim, ça devient un shlamim. C'est un shlamim particulier, ça prend les restrictions du shlamim particulier, mais sans avoir malgré tout tout le rituel entier avec les pains, ça c'est pas inclus. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Toum Salah.